Bonjour à tous, c'est Philippe de Passion MGS, bienvenue sur Stranded Deep. Alors la dernière fois je suis revenu sur ma base pour me soigner. J'avais été mordu par un requin et par un serpent, donc voilà, c'est fait, je me suis remis bien. Je suis full en tout, donc je peux repartir là-bas pour finir les deux épaves. Il me restait un truc à prendre sur une épave, et j'ai une autre épave aussi à visiter. Et ensuite, je pourrais commencer à farmer tout ce qu'il y a sur l'île, sur les trois dernières îles que j'ai faites, hein, pour récupérer surtout un maximum de rondins et revenir ici. Donc, je vais sûrement passer un peu tout ça. On a vu aussi, on m'a montré aussi que je pouvais, qu'il y en a qui faisaient des plus gros bateaux. Donc, du coup, comme j'ai plein de flotteurs, hein, sur les trois îles, je vais sûrement agrandir mon bateau, parce qu'il faut bien que je fasse mieux que les autres, n'est-ce pas? Donc, je pense que je vais... il me faudra des cordes, là, j'en aurai sur place. Je vais peut-être prendre... Il n'y en a pas une qui traîne, là, de cordes, quelque part. Je vais peut-être la prendre. Si, là. Dans ce coffre-là, j'ai plus de place. Il me faudra un marteau aussi, tiens. Donc, j'y suis. Il n'y a pas un marteau, là, normalement? Si, là. Comme ça, je ferai plus de cordes sur place pour ajouter des flotteurs. Donc je vais faire un 4 sur 4, je vais rajouter une partie ici et puis une partie devant. Et puis on verra, je pense que ça sera déjà bien. Quoi d'autre? Oui, Christian Dupont m'a fait rire, oui. C'est vrai qu'on dirait plus une paillote qu'une cabane, et puis c'est pas fini parce que je vais rajouter une fondation et sûrement encore une autre. Une fondation ici pour agrandir la maison en elle-même, et puis je vais en rajouter sûrement une autre ou plus parce qu'il y aura la terrasse. Donc voilà, et je me demande si on peut pas faire est-ce qu'on peut poser des farming plots sur la terrasse. J'ai jamais essayé. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça, si on pouvait, j'agrandirais la terrasse de ce côté-là pour pouvoir y poser des farming plots. Enfin, je sais pas, ça serait une bonne idée d'avoir son jardin sur la terrasse. Donc voilà, je verrai. Et donc c'est pas fini, hein. Donc là aussi je vais agrandir, ensuite il va y avoir un étage au moins. Donc voilà, il y a aussi Amédée Vermeer qui m'a laissé un commentaire pour me dire que pour le gyrocoptère c'était toujours la même pièce. Donc en fait j'ai tout ce qu'il me faut, soi-disant, pour faire le gyrocoptère. Moi, je croyais, c'est vrai que j'étais parti avec l'idée qu'il fallait des pièces particulières. Je pensais qu'il y avait celle-là pour faire une partie, et puis après, il y avait d'autres pièces, mais non, en fait, c'est toujours ces pièces-là, plus les pièces de moteur, normal. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Ben, on va faire le gyrocoptère. On va pas se faire chier, on va le faire maintenant, hein. Je partirai après. Donc on va faire le gyrocoptère, on va l'essayer. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut alors pour faire le gyrocoptère? Parce que j'ai tout ce qu'il faut, hein. Sinon j'ai plein de pièces de toutes les sortes, donc je pense que ça doit être bon. Véhicule. Donc oui, voilà. Véhicule gyropart. Ouais, ça j'en ai tout plein. Donc il faut... pour faire le cadre, il faut une comme ça, d'accord. Pour faire le siège, il faut une comme ça, d'accord. Ah, moi, j'en ai tout plein. J'en ai au moins, je sais pas, j'en ai au moins 7, 8, 8, 9, non. Gyrocopter motor, c'est des véhicules fuel part, véhicule filter part et véhicule engine part. Genre ça, j'en ai tout plein. Et le cockpit, véhicule electrical part, j'en ai tout plein aussi. Et véhicule electrical part et véhicule gyropart pour le rotor. D'accord. Du coup, voilà, ouais. J'ai tout depuis un moment, en fait. Puisqu'il faut rien de spécial, quoi, à part ces pièces-là. J'en ai 8-9. Et du coup... J'ai carrément tout ce qu'il faut. Alors c'est parti. Du coup, allez.
On va pas traîner plus longtemps. On va ramasser de tout. Attends, est-ce que j'ai de la place sur moi? Je vais larguer ça et larguer ça. On va faire le gyrocoptère. Je croyais que je pouvais pas le faire, moi. Et Alors, il me dit que c'est facile à faire, mais ça consomme beaucoup de carburant. Je prends un peu de tout, on verra bien. Alors ça va, normalement j'ai mon moteur ici est plein, et puis j'ai deux jerrycans pleins là-bas. On va voir. Alors je vais me mettre là. On va se mettre ici, et on se met ici. Gyrocoptère. Alors, le cadre. Alors, on va commencer par le cadre. Ok. Ok, cool. Cool, cool, cool. Alors ensuite, le siège, il faut une comme ça aussi. Ok. Mince. Le moteur, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, le moteur, il se place là. Nice. Le gyrocoptère, le cockpit. C'est bon. Voilà. Et il manque plus que le rotor. Et ça y est, le gyrocoptère est fait. Purée, dire que je pouvais le faire depuis depuis plusieurs vidéos déjà. Donc il me manque du carburant. Et ensuite on va aller faire un tour au gyrocoptère. C'est génial. Ah, j'ai pas de place. Ah ouais, faut que je range un peu tout ça. Tout ce que j'ai en trop. Pour pouvoir prendre un jerrycan d'essence. Alors ça, voilà. En fait, je peux même en faire plusieurs. Hein. Proprement quand même, voilà, et voilà. Le marteau, je vais le garder. Allez, un jerrycan d'essence. Voilà. Normalement il y en a un que je vais pouvoir en refaire un bientôt. Je vais pouvoir le faire après même, parce que ça y est, j'ai déjà une récolte de prête. Mais ça va vite, hein. Tant mieux, ce qu'il va m'en falloir là. La remarque, l'inconvénient avec le gyrocoptère, c'est qu'on peut pas transporter de caisse, hein, à part sur nous. Voilà, je fais le plein. Bon, je vais le garder sur moi pour l'instant. Allez, c'est parti. Alors attends, pour monter espace, droite, gauche, avance, recule, et pour descendre, oh merde! Ouh, touche rémanente, non. Revenu sur le bureau. Et descendre, c'est contrôle. Ouh, ok. Allez, c'est parti. Alors normalement, je dois aller sur cette île là-bas. Alors j'espère que ça fait pas trop de bruit le moteur du gyrocoptère. C'est assez bruyant quand même. Ah ouais d'accord, ça consomme pas mal quand même. Ouais. Ah ouais, ça consomme vite, putain. C'est hyper sympa sinon. Hein. Après c'est pareil, que dans le gyrocoptère, bon, tu peux rien faire quoi, tu peux pas chasser. Là, je monte. Est-ce qu'on peut monter très haut? Je sais pas. Oh, on a une belle vue en tout cas. On voit pas de requins, on voit pas de baleines. On est à quoi là? D'accord.
Alors j'ose pas trop parler parce que je sais pas si vous m'entendez avec le bruit du moteur. Faudra peut-être que je le baisse. Ah, un requin ici. Un requin tigre. Du coup on voit bien du ciel hein. J'aurais bien voulu voir un requin, un grand blanc. Alors du coup, là il n'y a pas de, il n'y a rien là. Je vois rien. Attends, c'est bien. Non, c'est pas la bonne île. Si, c'est l'île. Ah, c'est l'île. Non, c'est la grande île. C'est la grande île à l'est. C'est pas là que je vais venir. Je suis bourré de direction. C'était là-bas. Oh là, j'ai descendu un petit peu bas là. J'ai l'impression que j'ai failli changer mon gyrocoptère en sous-marin. J'allais faire un sous-marin. Là un peu, j'ai de quoi revenir, j'espère. Oh là, peut-être que j'aurai pas de quoi revenir. Bon, en tout cas, c'est celle-là, ouais. C'était ici que je devais venir. Ah, c'est ici que je dois venir avec le bateau. Ok. Je vais retourner à ma base parce que j'ai peur de tomber en panne de carburant si je vais jusque là-bas. Ça consomme beaucoup, hein. Ça consomme beaucoup. Alors si je fais E pour arrêter le moteur là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Je tombe dans la mer et je perds le gyrocoptère, je pense. Puis moi, il faut que je rentre à la nage. Donc je suis dans le caca. Il faut pas appuyer par erreur sur E. J'imagine. Moi, ça consomme beaucoup, hein. Mais sinon, à part ce fait que ça consomme beaucoup, je trouve que ça va pas assez vite. Il faudrait que ça aille un peu plus vite, je pense. Un tout petit peu plus vite, quoi. Pas non plus que ça fonce de ouf, quoi, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, ça consomme beaucoup, hein, et ça va pas assez vite, je trouve. Il faudrait que ça aille un petit peu plus vite. Et puis, bon, c'est très bruyant, bien sûr, c'est normal, mais au montage, je vais peut-être devoir couper le, enfin, baisser le son du moteur, parce que je pense qu'on va, on va pas trop m'entendre. Donc, bon, j'ai consommé, voilà, j'ai consommé les deux tiers d'un bidon pour faire un petit tour en gyrocoptère. C'était cool. Ici, je vais pouvoir remettre en route. Ah, je suis coincé encore. Voilà. Voilà. Hop. Et du coup, j'espère que... Ouais, du coup, ouais. J'étais prêt à partir. Du coup, j'étais prêt à partir, mais voilà. Maintenant, c'est la nuit. Faut que je me restaure. Bon, de toute façon, voilà quoi. Je vais attendre le matin, et puis on va partir là-bas, mais... J'ai fouillé les épaves et puis je vais commencer à farmer, donc bon, on va pas...
on va pas s'éterniser sur le métier de bûcheron que je vais exercer pendant longtemps là. On se revoit un matin et puis bah, je vais partir là-bas et puis voilà, je vais faire les trois îles. Et je vais peut-être agrandir un peu mon bateau aussi. Donc à tout de suite. Allez, on est parti. C'est le matin. Je me suis mis bien. Le soleil se lève. Voilà, alors ici je suis pas venu. Là il y a des pneus déjà, vous voyez. Donc je vais faire ce que j'ai dit, j'ai la corde sur moi. Je vais ah mince, le. Vas-y, monte. Je vais agrandir mon bateau. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, what the fuck? Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais what the fuck, putain. En plus, il fait noir. Non mais, c'est quoi ce délire là? On se paye ma tête. Imaginez que je suis au milieu de l'océan là. Elle est où ma caisse? L'autre? Alors là, c'est n'importe quoi là. J'ai perdu une caisse, non? Putain. Quoi ce délire là? Bon, ça démarre. Ça démarre en couille. Putain! Elle est où ma caisse? Je comprends pas. J'ai pas compris là, putain. Eh bien, ce voyage pue du cul. J'ai l'impression que, voilà. J'ai l'impression que je vais me faire empoisonner, tout ça. J'ai l'impression que ce voyage pue du cul. Elle est où ma putain de caisse? Non, pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce délire? Putain, fais chier. Les caisses ont glissé. Attends, arrête! Putain, mais c'est parce que le... Fait chier, quoi. Pourquoi elle reste pas sur le bateau? Pourquoi elle reste pas sur le bateau? C'est n'importe quoi. C'est la première fois que je vois ça. Oh, merde. Bon, voilà, un voyage qui pue du cul totalement. Parce que le bateau il touche un peu le machin, ça le fait pencher un peu et tout bascule, mais normalement ça devrait pas basculer, ça doit rester sur le bateau. C'est quoi cette merde? Putain, j'ai perdu une caisse en plus. Alors là, ah, fait chier, voilà. Journée de merde, journée de merde. Tout allait bien. Que je cherchais, j'ai perdu une caisse vide alors. Non, je sais pas.
Mais il y a 4 caisses, j'ai pas de caisse sur moi. Donc j'ai toujours une caisse de perdu. Ça je l'ai. Putain. J'ai pas de couteau sur moi. Bah laisse tomber, alors c'est pas la peine de le tuer. J'ai pas de couteau sur moi. Ah, fait chier, oh là là, putain. Allez là, ma caisse. Putain. La journée de merde. Alors là, je suis repoisoning, rebleeding. GG, GG. Alors, tout ça parce que... parce que ça a touché l'espèce de mât là. Et du coup, normalement ça bouge pas. Hein. Bon. Je peux retourner me soigner. Je vais essayer de récupérer ce qu'il y a sur cette épave là quand même, puisque je l'avais pas faite. Bouh, vénère. Allez, je vais quand même. Pas être venu pour rien, je vais quand même faire ça, je vais quand même ajouter ça sur mon bateau. J'ai pas mon couteau, putain, j'avais pas pris de couteau. Il y a rien qui va là, il y a rien qui va. Donc je vais le mettre de ce côté là, que j'aille pas me gourer parce que c'est bien de ce côté-là que je voulais le mettre. Ouais. Voilà. Sois gentil, requin. Putain, mais je suis en train de pencher du côté où je vais tomber, là, non? Grosse merde aujourd'hui, putain. C'est quoi cette merde? Putain, mais... aujourd'hui. J'ai encore perdu une caisse là. Non, deux. Putain, alors on va se casser de là parce que ça commence à me saouler. J'aurais pu prendre le pneu. J'ai un pneu sur mon île. J'ai un pneu sur mon île. J'aurais dû prendre l'autre pneu. Je vais aller le rechercher. Cette misère aujourd'hui, putain. Bon bah de toute façon, bon voilà. J'ai quand même rajouté un morceau à mon bateau, voilà. Donc, je vais continuer de rajouter de ce côté-là. Je vais retourner me soigner, puis je reviendrai. Donc, je vais m'arrêter là après, quoi. j'ai assez de misère comme ça pour aujourd'hui. Je vais aller me soigner. Est-ce que je vais réussir à faire monter le... Non, c'est bon. Fais un peu de place. Pour le pneu, ici, là. Oulala, oulala. Putain. Non. Je voulais le remettre par-dessus. On va y arriver. Ça y est, j'y suis. J'y suis. Putain. Attends, je vais faire autrement. Une caisse vide, là. Mets des trucs dedans. Voilà.
peux prendre ça. Vas-y. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, je suis bon. Je respire. Alors, attrape ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis accroché. Non, on n'est pas encore sorti de la catastrophe. Je suis sur un rocher. Je suis échoué. Je suis échoué sur un rocher. C'est con que j'ai pas mon couteau. Je l'aurais tué le requin. Mais je peux pas le dépecer. Je suis en train de faire la toupie sur un rocher. Oh putain. Voilà. Allez. Quelle journée. Quelle journée, quelle journée. Alors du coup, c'est là-bas chez moi. Bon, quand je me retourne... Oh là là. Allez, je vais arrêter là. Je vais retourner me soigner. Donc, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Allez, n'oubliez pas la boule, le pouce en l'air, le commentaire. Merci encore d'avoir regardé, j'ai déjà dit. Et à très bientôt pour la suite de mes aventures sur Stranded Deep.